Mais voyons, mamie, que faites-vous là? Je pars, Archibald, je pars. Je vous aime, Alexander. Moi aussi, Théophilia. Moi aussi. Tu dois me promettre de garder le secret sur ma naissance illégitime. Personne ne doit le savoir, surtout pas père. Les tests ADN le prouvent. Urbain n'est pas le fils de père. Et ce n'est pas mon frère non plus. Je ne veux plus m'occuper de cette compagnie et des millions de dollars qu'elle génère. Il faut que je choisisse un de vous deux pour assurer ma suite. Je dois récupérer la compagnie. Théophilien, il en va de mon honneur. Ou pire, de ma réputation. Mon crétin de frère ne saurait pas faire la différence entre ces deux intex. Je ne peux pas le laisser hériter de la compagnie. Il en va également de notre amour, Théophilien. Je sais que si vous êtes à mes côtés, c'est pour profiter de la fortune de ma famille. Enfin, voyons, Jasmina. Ne croyez pas cela. Vous savez pertinemment que je vous aime pour votre grand cœur, votre beauté, votre dévouement. Oh, il suffit, Théophilien. Il n'est pas nécessaire de rajouter du mensonge au mystère qui plane déjà sur cette famille. Je m'en vais. Je dois rejoindre frère. Tu sais, Corinthe, toute cette situation me rappelle un film que j'ai découvert il y a peu. L'histoire d'un homme tiraillé entre sa passion pour la plongée sous-marine et son emploi saisonnier de danseur étoile. Magnifique. C'était magnifique. Cela représente exactement l'état dans lequel je suis. Urbain, mon amour, mais dans quel état es-tu donc? Partagé. Je suis partagé entre l'immense opportunité que représente cette entreprise pour moi. Mais d'un autre côté... Je suis accablé par ce terrible secret qui pèse sur mes épaules. Je comprends. Je comprends, cher amour. Sache que, quel que soit ton choix, je serai toujours à tes côtés. Toujours. Merci, Corinthe. Merci. Merci. Je vais voir ma sœur. Bonjour, Jasmina. Bonjour, Urbain. Marchons dans le parc. Tu sais, Jasmina, toute cette situation me rappelle un film que l'on m'a présenté il y a peu. Il est question d'un homme qui joue à un jeu de société face à face avec son chien. L'homme face à la bête, une histoire magnifique. Et quand je te vois toute griffe sortie dehors comme ça, assoiffée de pouvoir et d'argent, eh bien, c'est à ça que tu me fais penser. Moi, c'est parce que c'est ce que je suis. J'aime le pouvoir. Et j'aime l'argent. Et jamais je ne te laisserai récupérer la société de père. Tu m'entends? Jamais! Jamais! Oui, oui, j'ai entendu. Surtout lorsque l'on sait quel fils tu es. Ou toi qui affectionnes particulièrement les tournures alambiquées de films à petit budget. Faux frère! Tu es au courant?
infirme. Alexander, vous êtes ici. Je vous attendais depuis des heures. Je vous croyais mort. Voyons, Théophilien, pourquoi ferais-je une chose pareille? Vous savez que je ne vous abandonnerai jamais. Encore moins après notre petite soirée d'hier. Faites attention à ce que vous dites. On pourrait nous surprendre et ce serait grave. J'ai beaucoup apprécié notre soirée d'hier, mais il faut que nous fassions attention. Je vais masquer nos voix. Voilà, Alexander, nous pouvons parler librement. Théophilien ! Oui ? En plus de vos prouesses physiques, vous m'impressionnez toujours par votre ingéniosité et l'intelligence dont vous faites preuve. Merci, Alexander. Vous ne manquez pas d'ardeur quand il s'agit de vous investir physiquement, et vous n'êtes pas le dernier quand il s'agit de me surprendre. Vous savez ce qui me ferait plaisir, là, Théophilien ? Ce serait de vous prendre par la main. Oui, bien sûr que je suis au courant. J'ai fait analyser une de tes mèches de cheveux trouvées sur ta casquette du Professional. Je sais que tu n'es pas mon véritable frère. Et je sais que tu n'es pas véritablement le fils de père. Mais cela veut dire que... Que vas-tu faire? Laisse-moi y réfléchir quelques instants. Je sais. Je ne vais pas en parler à père immédiatement. Depuis le départ de mère, il est bien trop fragile. Mais cela veut également dire que tu es à ma merci et que je peux faire de toi tout ce que je veux. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Tu es à moi maintenant. Ah ! Tu es un véritable monstre. Si tu devais être un animal, tu serais un moustique. As-tu déjà entendu parler de cette histoire fabuleuse, une fable moderne, l'histoire d'un homme qu'un moustique empêche de dormir et qui finit par détruire sa chambre? Eh bien, c'est ce que tu es. Et je pense que c'est ce que tu essayes de faire, me pousser dans mes derniers retranchements. Eh bien, soit! La guerre est ouverte, très chère sœur. Et je pourrais faire ça avec mon autre main. Voyons, Alexander, vous êtes fou! Nous ne pouvons faire cela ici! Allons, Théo, détendez-vous, je suis sûr que ça va vous plaire. Je ne dis pas que ça ne me plairait pas, mais c'est bien trop risqué. Allons! Non, Alexander! Quelqu'un pourrait arriver nous surprendre et découvrir notre relation homosexuelle. Cela jetterait la honte sur l'ensemble de cette famille. Quelqu'un vous a entendu? Je ne sais pas, Théophilien. Je ne sais pas. Et pour tout vous dire, je m'en contrefiche. Vous savez ce qui m'excite dans notre relation? Non, dites-moi, Alexander. C'est que vous êtes mon petit secret. Oh. Et que je suis le vôtre. Mais voyons, Jasmina, vous pourriez la partager avec votre frère. Depuis que votre mère est revenue d'Afghanistan, elle a souvent insisté sur le fait qu'un frère et une sœur devaient s'aider, et non pas se déchirer. Certes, Corinthe. Mais vous savez, depuis que mère a décidé de l'ablation d'un testicule de notre chien Perceval, elle a revu ses positions sur les questions de partage. Mais voyons, ne dites pas de bêtises. Ce n'est qu'un chien, votre mère saurait faire la différence, elle. Vous savez, Corinthe, depuis ma cure de désintoxication au milieu des pandas, j'ai revu ma position sur les bêtes et sur l'amour qu'elles peuvent prodiguer. Qui plus est, je sais des choses sur votre mari que vous-même ignorez. Comment ça? Vous voulez sans doute parler de sa passion pour les œuvres cinématographiques de petit budget et de qualité non reconnue? Mais c'est un secret pour personne, vous savez. Non, Corinthe, je parle d'un secret bien plus lourd à porter. D'un secret que personne ne doit connaître. D'un secret que vous ne connaissez sûrement pas. Et d'un secret qui ne doit pas remonter aux oreilles de père. Quoi? Qu'est-ce que je ne dois pas savoir? Allons, mesdames, expliquez-vous. Cela concerne Urbain, père.
Et la compagnie. Et vous également. Et mère est concernée. Et je pense que... Le mieux, c'est qu'il vous le dise lui-même. Soit. Alexander! Monsieur? Voulez-vous aller me chercher Urbain? Tout de suite, monsieur. Ah, justement! Monsieur vous cherchait. Père, je dois vous annoncer quelque chose. Il me semble, oui. Votre sœur m'en a déjà un peu parlé. Quoi? Tu lui as dit? Non, Urbain. Mais... je te laisse le faire. Soit. Père, je dois vous avouer quelque chose. Quelque chose de difficile. Je ne suis pas votre fils. Enfin... pas votre fils légitime. Je suis bien le fils de mère. Mais pas le vôtre. Vous le comprenez bien, pour cela, mère a dû... Donc ça veut dire, père, qu'en tant que seul enfant légitime, je suis la seule à qui vous pouvez léguer la compagnie. Mais ce n'est pas tout! Quoi? 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 Non, père, ce n'est pas tout. Je dois vous apprendre un terrible secret qui va jeter le déshonneur sur notre famille. Et cela concerne... Théophilien! Moi? Allons, Théophilien! Époux et mari parfait, fierté de sa femme et de son beau-père! À vous de nous en dire un peu plus sur votre secret. Mais non, je ne vois pas ce dont vous voulez parler. Je n'ai rien du tout à cacher. Je vous ai vu, Théo. Vous et votre petit secret, faire des cochonneries dans la bibliothèque. Mais Théo, de quoi s'agit-il? Expliquez-vous. Mais c'est que... je ne sais... Non, je... Mais cessez donc de l'importuner ainsi. Laissez-le respirer, bon sang. Ce que Théophilien n'ose pas vous révéler... et que je vous révèle à sa place, c'est que lui et moi, nous vivons une histoire d'amour passionnée et passionnelle. Vous voulez dire que tous les deux... Oui, monsieur. Nous nous aimons. Et les mots lui manquent pour exprimer la puissance de notre amour. Et Dieu sait que, depuis son passé de professeur de mathématiques toxicomane dépravé et désormais repenti, il en connaît un rayon sur la puissance et sur le manque. Mais oui, nous nous aimons intensément et nous ne pourrions plus vivre l'un sans l'autre. Je le savais. Je le savais. Non, je le savais! Oh non! Mais il y a autre chose que je dois vous annoncer. Je ne peux plus vivre sans vous révéler cette information. Et cela concerne... notre mère. Cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer.